Je suis le docteur Kofi Baye, directeur de cabinet du ministre de la Culture et du Tourisme de la République congolaise, qui n'a pu faire le déplacement de Rabat en raison de son agenda chargé. Permettez-moi donc de transmettre les vives et chaleureuses salutations du ministre de la Culture et du Tourisme de la République congolaise, son Excellence Docteur Considérant Beaucoup, à son frère et ami, son Excellence Monsieur Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc. Je voudrais également, en nom propre, remercier le gouvernement marocain pour les commodités mises à notre disposition depuis notre arrivée dans cette belle ville culturelle et capitale du Royaume chérifien. Abordant la question du renforcement de la coopération culturelle entre les pays africains, la République togolaise pense tout simplement qu'il faut d'abord encourager l'initiative marocaine de cette rencontre-là, qui est un exemple à suivre pour les autres États africains, parce que c'est l'occasion, cette occasion nous permet de remettre en discussion les idées qui peuvent entrer ou bien qui peuvent engager le développement culturel en Afrique. La République togolaise pense également qu'il existe plusieurs accords de coopération bilatérale entre nos différents États. Mais malheureusement, ce sont des accords qui dorment parfois dans les tiroirs. Et le Togo pense que, à partir de cette grande rencontre de Rabat, nous devons dynamiser à nouveau nos différents accords bilatéraux. Et partant de ces accords bilatéraux, on peut booster l'intégration culturelle africaine. Aussi, la République togolaise pense qu'il faut encourager les initiatives ou bien les échanges culturels entre nos peuples au regard de nos réalités identitaires transfrontalières. Je m'explique, quand vous prenez mon pays, ce pays-là partage beaucoup de réalités identitaires avec le Ghana voisin, le Bénin à côté et le Burkina au nord. Et généralement, lors des pratiques traditionnelles, des fêtes traditionnelles, les différents peuples qui sont de part et d'autre des frontières vont dans ces différents États pour se retrouver ensemble. Je crois qu'il est grand temps que nos États encouragent ces pratiques-là qui entrent dans l'intégration régionale continentale. Donc, ce sont ces idées que la République togolaise vient partager par ma voix avec